Eh bien, salut tout le monde, c'est Théma Epané. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de I6. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors, la dernière fois, beaucoup d'informations, beaucoup de réponses à nos questions sur les origines des îles, pourquoi on est ici. Enfin, vous voyez tout le schéma, je pense. Et alors, on devait se rendre sur les grottes. Enfin, dans les grottes de Grand Vanita. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez que j'oublie vite les noms. Enfin bon, je dis que je suis en forme, mais bon. Ouais. Enfin, je préfère pas en parler. Eh bien, j'espère que de votre côté tout va bien. Moi, bof bof, hein, comme je fais que me répéter. Bon, vous pouvez voir, j'ai fait un peu de level up, hein. Comparé à l'épisode précédent où, ouais. J'ai vraiment pas fait trop attention au combat. Alors ici, on va vraiment continuer, on va se faire une grotte bien tranquille. On va ramasser les artefacts, les petites gemmes ici. Et vous voyez, hein, à force d'améliorer son épée, on a tout de suite droit à de nouvelles attaques. Ça fait plaisir. Alors oui, bon, commentaire ici sera pas trop vraiment... Ouais. Pas trop de qualité parce que bon, j'ai un peu de monde chez moi donc je me retiens un petit peu de parler fort, pas comme je fais dans les autres épisodes. Donc voilà les gars, si vous m'entendez parler un petit peu moins fort, c'est vous savez pourquoi, hein. Vous savez maintenant pourquoi. Hop, on va continuer ici. Putain, on fait vraiment mal maintenant, c'est abusé. Je pense qu'on peut passer outre ses ennemis, je pense, hein, maintenant. Ouais, maintenant je vais chercher l'entrée de la grotte. Et apparemment, il y aurait un boss vraiment dur dans la grotte. On va voir ça. On est à l'entrée ici. Non, il y a encore des ennemis, forcément. Hop, 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 hop. Prends ça. Allez. Là, voilà. Si on change de terre, forcément, on sait que c'est l'entrée de quelque chose. Et voilà. Grand valise, voilà. Grand Vanita. Pourquoi j'ai dit Grand Vanita? Oui. Je pense que c'est parce que j'ai joué à BBS tout à l'heure. Bon. J'ai fait un petit peu de partie en off, hein, pour voir éventuellement où est-ce que je peux me diriger. Comme ça, en vidéo, je risque pas de me perdre, quoi. Voilà. Faire un Wolfrog un peu correct. Enfin, Let's Play, Wolfrog. De toute façon, je joue au jeu du début à la fin. Pour moi, il n'y a pas vraiment de définition. Et alors, ça va être vraiment un endroit bien relou parce que les ennemis sont vraiment super puissants. Alors, je vais déjà commencer par faire un petit peu de farm ici, les gars, parce que je vous jure, c'est. Et vous voyez, hein, vous voyez vraiment par vous-même, ils font super mal les ennemis, quoi. D'entrée de jeu. Hop, je vais vous laisser à imprégner de l'ambiance de la musique qui est vraiment pas mal. Voilà, je vais pouvoir vous montrer peut-être l'overdrive de l'arme. Enfin, moi j'appelle ça plutôt un overdrive. Hop, voilà. Et voilà, hop. Bon, ce sera différent avec chaque arme, hein. Je pense que c'est un petit peu logique. Mais bon, voilà, je préfère vous montrer. Quand vous êtes vraiment au milieu d'un gros troupeau d'ennemis, c'est vraiment super utile. Y a pas à chier. Hop. Bon, je vais encore remonter peut-être encore un ou deux niveaux et après on va vraiment avancer dans la grotte, quoi. Enfin, Ice, c'est quand même ça, quoi. Faut vraiment pas foncer tête baissée, sinon tu te fais mais ridiculiser face aux ennemis, c'est un truc de malade mental. Alors, viens par là, toi. Hop, hop, hop. On va revenir au safe point. Voilà. Excusez-moi, pas qui remonte, eh oui, comme à chaque épisode. Ce sera ma petite signature à chaque épisode, ça, tu vas voir. Hop, oh là là. Il fait encore mal, hein. J'ai monté de deux niveaux, mais ils font toujours aussi mal, quoi. Vraiment terrible, ces ennemis.
Allez, hop, prends ça. Watch out. Tiens, j'ai fait des critiques, c'était n'importe quoi. Pas mal, pas mal. Ouh, ça fait mal ça. Mais je comprends pas en fait comment je peux faire le tourbillon, mais plusieurs fois. Parce que bon, parfois je. Allez, je spam les touches, mais ça marche pas. Et je sais pas comment on fait le tourbillon. Allez, ça agit aléatoirement, j'ai l'impression. Je sais pas du tout. Ouh là là. Ils font vraiment mal les ennemis, quoi. Je vais encore augmenter d'un niveau, mais. Ouais, il faut, quoi. Il faut. Vous voyez comment. Oh là là. Bon. Non, je vais plutôt. Je pense que je vais avancer dans la grotte ici. Ouais. Qu'est-ce que je peux bien pouvoir faire? Attends. Objet. J'ai cet objet. Plutôt s'équiper de ça. Il me semble qu'avec une commande, mais je sais plus laquelle, tu peux te remettre de la vie. Mais directement avec l'objet. Je devrais voir ça dans les paramètres. Éventuellement. Oui, ici je fais vraiment une vidéo à l'improviste, hein, vous l'aurez remarqué. Hop. Faire gaffe. Oula, oulala. Purée. La vache. J'ai eu peur que c'était des ennemis en fait trop puissants en fait. Oh la vache. Ils font mal. Oui, ça va, c'est le bouton. Je sais pas quel, mais je m'en fous. Putain. Enfin, en tout cas, il rapporte pas mal de choses, mais. La vache. Toi, t'es chiant. Voilà. Parfait. Puis j'ai monté de niveau. C'est pas beau. Ça rapporte de l'XP quand même, tout ça. Enfin, le tétouffer des roches, je veux parler. C'est pas plus mal. Ouais, on a vu de l'expérience. Et pour le coup, ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment avancer sans trop, sans tellement de risques, parce que allez, quand tu gagnes un niveau, tu as tous tes points de vie et tout ça. Quoi. Ça, c'est justif pour le coup. T'es pas obligé que, allez, quand tu montes de niveau, que t'es pas obligé de revenir. Pour te soigner, tout ça. Ça, c'est bien. Ça augmente un petit peu le gameplay, ça. La nervosité du gameplay. Ça, j'apprécie beaucoup. Hop. Rapproche un petit peu plus le micro, on sait jamais. Hop. Alors, ici. Je dois faire quoi? Je ne sais pas. Ok, bonjour. Non, rien du tout. Bon, ok. C'était un chemin inutile. Oh, bonjour. La vache. Voilà. Je préfère par sécurité au moins. Wow. On se calme là, on se calme. Putain, je vais plus avoir d'objets moi à la fin. Je fais un tour dans la ville pour m'améliorer. Non, c'est pas utile. Ouais, si je fais pas le con. Encore. Putain, j'ai failli sauter l'eau, il fallait pas quoi. Genius. J'ai cru que c'était inaccessible. Vu la hauteur, je pensais que c'était inaccessible, mais bon, c'est bien accessible. On a tous bien vu ça. Ouais, faut pas que je m'attarde trop sur les ennemis, en fait, j'ai l'impression. Chaud, cet endroit. Ouais, tant pis. Et hop. Attends, on va te buter. Pour la gloire, au moins. For the glory.
Aïe 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 aïe. Allez hop, j'hésite pas, overdrive, ça a lagué un petit peu mais bon, je m'en fous. J'ai fait le con, j'ai fait le con encore une fois. Ah mais... Bref, taf. Putain, ils sont chiants. Hop, attention. Faites chier. Vous êtes chiants. Ouh là là, le nombre d'objets. Hop. Oh. Pas mal. C'était pas mal. Ouh là là. Faire vraiment attention ici en tout cas. Non. Putain, le nombre de bombes qu'il y a. Oh. Là, il faut que je prenne un petit level là. Putain, c'est chaud. Ah oui, mais je récupère des objets avec eux pour le coup, mais oui. Et puis je récupère des objets de soins, bah tant mieux. Franchement. Ah, un point de sauvegarde. 20 dieux, c'était pas trop tôt. C'était pas trop tôt. Et comment on t'accueille là? Le respect est mort. Le journal de Rabat. Ok. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il contient? Non, pas ici. Recueil des expériences de Rabat décrit l'écosystème de l'île et les événements vécus depuis son arrivée. Ok. Ok, 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 ok. Bon, nous on va continuer à avancer. En évitant de se faire poutrer la gueule comme il faut. Quand même. Hop hop hop. Putain, ça me fait vraiment peur. Oula, c'est quoi ça? Ok. Mais c'est quoi ça? What the fuck? Ok. Je pense que je vais éviter de toucher à ces trucs. Putain. Mais c'est invincible en plus. J'ai pas à berlu. Ça... Ah non. Une attaque sautée, ok. Oula, ok, ça fait un bruit bizarre. Pas mal. Pas mal ça. Par contre, si je me retrouve au milieu d'un groupe, ça va jamais aller. Putain, ça rapporte que dalle d'XP, j'ai l'impression. Putain, waouh. Si, ça rapportera quand même de XP, c'est bien. Putain... Oh, fais chier. Les ennemis relous sont déjà là. Bon, je vais éviter de me frotter à eux pour le coup parce qu'ils sont vraiment, vraiment relous, quoi. Hop. Forcément. Alors vous... Vous allez vous faire foutre, les gars. Mais vraiment, bien profond. Mais si j'étais là tout à l'heure, comment est-ce qu'il y a un slime là qui est venu ici, en fait? Ok. Ah merde, mais. Ah. Non. Tu ne mourras pas. Voilà, hop. Et on a la côte de brigand, ok. Alors on va s'équiper de ça tout. De suite, j'ai touché l'autre bouton, bien joué. Et alors, la côte de brigand, 119, ah ouais, pas mal. Pas mal tout ça, bon, on va les sauvegarder. Et comme je dis, comme c'est un détour inutile, on va accélérer ça. Hop, je me fais toucher, je m'en fiche. Allez, on sauvegarde.
vraiment faire gaffe aux bombes ici. Hein. Mais ça te fait monstre de dégâts, ces saloperies. Forcément, en même temps, c'est une bombe. Ça fait l'effet d'une bombe, comme on dit. Ah, ah. Ah oui, d'accord, ils étaient déjà en haut au début. Ok, ok. Oh, ils vont nous faire chier avec ces ennemis maintenant. Oh, vous êtes chiants, les gars. Vous êtes chiants. Wow, purée. Ok. Putain, tu pouvais pas rater les bombes, là. El Dalma. Je peux pas aller en haut ici. Attends. Ah, malédiction, je suis encerclé. Bande de lâches. Je suis seul, ils vont m'attaquer en groupe. Ah, c'est vrai que c'est des lâches, hein. En groupe. Je suis perdu. Ah, ah merde, ok. Ok, on va te sauver. Pas de soucis. Putain, si je sais me débrouiller, les attaques plongeantes, j'ai du mal, quoi. Parfait, voilà, on t'a sauvé, gamin. Qu'est-ce que tu fous ici? Incroyable! Merci, je vous dois beaucoup. Je ne vous avais encore jamais vu ici, mais vous êtes plutôt fort. Comment avez-vous pu tuer tous ces monstres aussi rapidement? Hein? Cette épée, c'est la même que celle qui se trouve chez moi. Comment l'avez-vous eu, monsieur? Ah, il a la même épée. Pas mal. Aldo se le présente et lui explique pourquoi le chef Horde lui a remis cette épée. Ouah, alors c'est pour ça. Papa déteste ces hérésiens, mais il vous a quand même donné cette épée. Il doit vraiment avoir confiance en vous, monsieur. Je m'appelle Ur. Le chef Horde est mon papa. Ah, d'accord. Heureux de vous connaître, monsieur. Pareil, mon garçon. D'après ce que vous me dites, tout le monde va bien. C'est déjà une bonne nouvelle. Quand le pont s'est effondré, je ne pouvais plus rentrer à la maison. Même moi, je m'inquiétais. C'est pas mon jour de chance aujourd'hui. Je cueillais des herbes dans la plaine quand j'ai vu une fée rouge. Elle tenait un objet brillant. Ah ? J'étais curieux, donc j'ai couru après. Mais je crois bien que je me suis trop éloigné. Le professeur doit s'inquiéter pour moi, j'en suis sûr. Il faut que je tourne à la ville. Ah oui. Ah oui, on raconte qu'un hôtel avec une puissante épée se trouve au sommet de la montagne. Ah ! Vous m'avez tout l'air d'être un guerrier, alors vous pourriez aller y jeter un coup d'œil. Je file maintenant. À plus tard. À plus tard, mon grand. Une épée. Intéressant, intéressant. Eh ben, on va aller voir ça. Bon, ça sert à quoi de mettre une plateforme ici si on n'a rien? Hop. Ouais, bon, ça sert à rien, je pense. Bon. Pour le coup, on va avancer au maximum. On va finir ce donjon et après, on va se laisser là. J'ai même pas sauté, j'ai fait une attaque plongeante et j'ai quand même réussi à ne pas me casser la gueule. Ok, ok. Bon, je vais quand même descendre pour récupérer le coffre. Bouclier Reda. Intéressant. Ok, merci, connard. Et hop, hop, et hop. Ah, salut, c'est cet enfoiré, là. Et il m'a bien visé, n'empêche. Lanceur professionnel. Putain, il lance plein de bombes, ici. J'ai juste un terrain... Ok, lui, il s'est totalement loupé. C'était bien marrant à voir. Oui, bon, je vais m'équiper du bouclier avant. Hop, 125, c'est parfait. On va tuer tout le monde ici, on va vraiment pas hésiter. Ces enfoirés de lanceurs. Et là, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu crois faire? Putain, c'est vraiment où, n'empêche. Hein. Quand c'est une montagne, tu me diras, mais bon. Ouh, comment il m'a reçu. J'aurais pas aimé. Tiens, deux critiques dans ta face. Ça, c'est ma vengeance. Ah, ah, ah. Ouh, je l'ai eu en l'air. Bien joué, ça aussi. Voilà.
Like a boss. Oula. Ça c'est pas trop like a boss par contre. Ils sont chiants, hein, ces mouches là. Enfin, je sais même pas ce que c'est. C'est bizarre. Alors, vous êtes vraiment les rois des grosses enflures. Les slimes en font plus. Vous êtes super moches, les gars. Voilà. Tu me respectes maintenant? Respecte mon autorité! Mon autorité! T'es. Voilà. C'est chiant de ne pas pouvoir parler à plein volume. Mais bon, on est obligé. Je suis un peu forcé, mais bon, voilà. C'est chiant quand même. Bon, oula, et il a failli me toucher l'autre encore. Bon, là où il y a des bombes, je pense que c'est le bon passage. Où c'est le plus dangereux, c'est le bon passage, t'inquiète. Alors, c'est ici. Ça a tout l'air. Bon. On sauvegarde. Il n'y a pas d'ennemis, ça me paraît bien calme. L'hôtel de Brillant. Ok. Éclat de... Ah, l'éclat de miroir, voilà. Ah ah ah, quel imbécile, grimper jusqu'ici. Oh oh. Ah, mais voilà la fée. Ju a déjà utilisé ce miroir, alors Ju veut bien vous le donner. Ju n'a fait que travailler dernièrement, alors Ju s'ennuie vraiment. Alors si vous voulez vous amuser, Ju vous donnera le miroir. Oh là, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, oui, oui. Elle va être vraiment chiant, ce boss. C'est amusant de vous regarder lutter, très amusant. Alors franchement, va savoir comment il tient en place, alors que c'est en train de tomber. Oula, bon. Alors toi, je sais pas comment. Ok. 800 points de vie, ah ouais. Il est balèze le boss. Il est chiant. Il fait mal. Ouais, c'est vraiment tous les petits débris de pierre de merde qui font mal, quoi. J'ai fait ça pour rien du tout, c'est magique. Je lui fais qu'un dégât. Chiant. Espèce d'enfoiré. Il va être dur, ce boss. Alors franchement, je sens que je vais passer du temps dessus. Un truc de malade. Ouais, vraiment passer du temps dessus. Purée. Un dégât. Franchement, c'est du dégât, les gars, ça. C'est du dégât, les gars. C'est beau. Purée, mais on lui fait tellement rien comme dégât. En plus, c'est un boss volant, quoi. Tu sais quasiment pas le taper. Juste une fois. Et deux fois, si t'as de la chance. Pierre d'enfoiré. Ouah. Mais non, on va pas trop haut. Quand tu veux que je fasse. Ouais, si tu te mets trop en haut, je pourrais pas te taper, hein. En plus, c'est même pas sa pince qui fait mal, quoi. C'est vraiment les petits rochers qu'il projette. Donc, faut vraiment être super attentif. Ouh. Putain, ça descend lentement mais sûrement.
Tu le sens, l'affrontement bien long et chiant, et surtout bien long. Enfin, c'est pas qu'il est dur le combat, faut vraiment bien esquiver, mais. Enfin, si, il est quand même dur le combat parce que. Tu fais une seule erreur, quoi, et. Et voilà, quoi. En plus, je suis sûr qu'il va changer à un moment de pattern, ça va être infernal. Putain. Allez, hop. C'est pas beau, putain de merde. Oula. Qu'est-ce que tu fais? Ok, il nous attire. Qu'est-ce que tu fais? Ok, faut vraiment rester bien loin de lui ici. Viens, viens, viens. Ouais, comme ça. Allez, parfait. Ça va, si vraiment il a que ça comme pattern, c'est pas dur. Mais bon, avec 800 points de vie, pas tellement sûr. Je suis sûr qu'à moins 400, il va avoir de nouveaux patterns bien relous. Allez, je m'éloigne. Espèce d'enflure. Putain, je lui fais qu'un dégât, mais non. Putain. Il va durer une éternité ce combat. Allez, viens là. Qu'il est chiant ce boss. Oh mon dieu. C'est le boss où t'aimerais vraiment pas perdre pour pas tout te retaper, hein. Putain de merde. Bon, sinon ça va vous? Vous amusez très bien à regarder la vidéo? Oui, oui. Très bien, très bien. Putain, et moi qui sais même pas viser correctement. Tu m'étonnes que je galère, putain, il m'a tapé deux fois. J'ai pas envie de redescendre toute la montagne. Hein. Elle est déjà assez haute ainsi. Ça va être super relou. Allez, viens. Alors, je sais pas pourquoi t'es venu alors que t'as rien. Ok, qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est des ennemis normaux. Oh non! Ah, il invoque des ennemis normaux. Putain, mais c'est un malade lui. Ah mais... Oh mais arrête! T'es chiant! Mais comment t'as pu éclore? Ouais, ça va sûrement... Ouais, si vous avez des bugs d'émulation, je suis désolé. Hein. Mais viens là! Que je te touche! Oh, t'es chiant.
Mais viens là. Tu vas voir que je vais pas réussir le combat. Putain de merde. Je suis foutu. Je suis mort. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, je vais redescendre toute la montagne. Putain de merde, j'aime pas ce boss. Bon, je le fais en accéléré pour que ce soit moins relou pour vous. Pouh, mais ce boss, je te jure. Les premières galères, c'est beau. Allez, tu fais chier. Salaud! Je m'en fiche de me prendre des dégâts. De toute façon, je sais que ça depuis tout à l'heure, me prendre des dégâts. Hop, allez, je redescends tout. Et hop. Emplacement supplémentaire, ok, merci beaucoup. Putain, c'est super long en plus. Tout me retaper après. T'es sérieux? Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Bon, est-ce qu'il est de passage? Oh. C'est magique. Cet épisode est déjà magique, les gars. Il est déjà collector. Putain de... Allez, mourez, mourez de décès. Prends-toi des dégâts, s'il te plaît. Allez, hop, 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 hop. Allez. Bon, je vais aller à la ville, je vais améliorer mon épée. Et bon, si ça marche pas après, bon bah... Non, je suis vraiment démoralisé que... Parce que franchement, ce boss, waouh quoi. Il se le farcir en l'air. Mais c'est... Waouh. Casse-couille. Allez. Bonjour. Allez, améliore mon épée. Dépêche-toi. Alors vous savez quoi, on va farmer l'entrée de la grotte, on va améliorer encore une fois notre épée, et si ça va pas, bon bah tant pis. Ça va faire un épisode bien long pour le coup, mais bon. Nécessaire. Allez, bonjour les monstres. Je m'en fous de vous complètement. Et hop. Oui, je fais l'accélérateur, mais bon. C'est nécessaire. Et hop, horreur. Allez, on va se former un petit peu. C'est 230, hein, je pense. Ouais, 230. On va en prendre 250, on sait jamais. Bonjour, au revoir. Ça, quoi, ce serait dur de monter le niveau, quoi. On monte quasiment plus de niveau, mais... T'as vu le boss, quoi.
vache. Ça, je préfère améliorer mon épée deux fois. Une fois de plus. Enfin, une fois en plus, mais allez, clairement, clairement pas trop. Hein. Puis bon, si on peut s'acheter un petit truc au passage, ce serait pas mal. Allez, meurs. Enfin, on va même pas monter de niveau en plus, quoi. Pour vous dire tellement, c'est abusé comme... tellement pas de level là maintenant. En plus on peut même pas faire son overdress sur le boss il est tout le temps en l'air. Allez, mourez. Bah, je fais n'importe quoi mais bon. Oui, déjà de la rage, c'est normal. Je pense que c'est vraiment le seul boss où je vais l'avoir mauvaise quoi, parce que bon, toujours en l'air, toujours en l'air. J'aurais bien voulu accélérer ça au montage, mais bon, tant pis quoi. Tant pis, j'ai pas envie de me casser la tête. On va encore farmer une bonne fois pour toutes. Allez, bonjour, bonjour, allez hop, je te tue. Et allez, on revient en arrière. Sur que ils font même plus de dégâts quoi, tellement je suis pété de level. Allez, hop. Bonjour. Allez, on va améliorer l'épée. Oui, allez. Un plus tranchante et maintenant plus puissante. Merci, allez, au revoir. Est-ce qu'on peut s'acheter un petit truc avec lui? Qu'est-ce que je peux t'acheter? Okay, je vais t'en acheter tout plein. Plein d'herbes. Comme ça, on va bien se droguer. Et je vais assigner ça. Allez, hop. Je vais assigner de l'herbe. Allez. On va se remonter toute la montagne. Oh là là, mon dieu. Cet épisode. Cet épisode de l'ennuyance totale pour vous, sûrement. J'en suis désolé. Mais c'est ça, les premières galères. Eh bon, ça va mieux passer les prochaines fois, je vous promets. Enfin, je vous promets. Je l'espère, plutôt. Allez, on va sauter à tout va, merci, c'est plaisant. Attends, je sais pas quand. J'étais coincé, ok. Et bon. Je m'en fous, je me fais toucher en balèque. Bonjour, au revoir. Avec l'accélérateur, tu fais tellement n'importe quoi. Enflure. Bien accueillir, décidément. Slime là. Slime est tout bizarre. Ah oui. Ce passage. C'est par là qu'il faut y aller. Hop, hop.
Putain, j'étais tout joyeux au début de l'épisode et maintenant. Espèce d'enfoiré d'ennemi. Ouais, il m'a mis un petit peu le guac, cet enfoiré. Enfoiré de boss, va. Je m'attendais vraiment pas à un boss aussi puissant, quoi. Enfin, c'est pas tellement qu'il est puissant, mais il est putain de résistant, quoi. Il est putain de relou. Vous aussi, vous êtes relou, les gars. Il est vraiment relou. Ma souris qui a quitté le Windows Screen et j'ai quitté. J'ai tombé. On va chanter pour éviter de rager. Espèce d'enfoiré. Petit fumier. Oh là 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 là. Vivement le point de sauvegarde, s'il vous plaît. Qu'on quitte cet endroit de malheur. Oui. Enfin. Je sauvegarde. Allez. Oui. Oh. On y est, les gars. On y est. Alléluia. Y'a pas genre un coffre à récupérer ici? Rien? Non? Rien du tout? Allez. Ferme-la, toi. Allez, hop, 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 jus à ci, jus à ça, ouais, ouais. Moi, je vais surtout te jurer que je vais te buter le boss, là. C'est déjà beaucoup mieux. 44, allez. 24. Qu'est-ce que tu dis, là? Qu'est-ce que tu dis, là? Fais-moi te malin, hein. Ah, t'es moins content, hein. Il fait déjà sur notre attaque. Ah, tu t'es moins content, hein? Enflure. Allez, viens là. Goûte à la colère d'Hadès. Voilà, et je me remets beaucoup plus de points de vie. Qu'est-ce que tu dis de ça, là? Hein? Hein? À tes tags! À tes tags! Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Tu as peur? Viens. Allez, viens. Je t'attends. Wow, je t'ai bien fait mal là. Tu l'as bien senti? Ouais, commence avec ça lui. Si ça me fait faire au moins augmenter ma jauge d'overdrive, c'est tant mieux. Ouais, maintenant les ennemis, je suis même content de les voir là. Tout va bien. Viens, prends ça. Take this. T'es deg hein, maintenant. Ah, t'es deg que je te fais plus de dégâts, hein? Que j'améliorais mon épée là. Enfin bon, c'est vraiment de ma faute, hein, de toute façon. J'engueule le jeu, mais c'est vraiment de ma faute, quoi. J'aurais dû améliorer l'épée, j'aurais vraiment dû faire attention, quoi. Pour pas être de mauvais soi, c'est vraiment de ma faute ici. Voilà! In your face, motherfucker! Et bim! Comment je t'ai eu? Oh! Oh! Je t'ai détruit, hein! Qu'avez-vous fait?
Je l'ai éveillé avec la puissance du miroir et lui a donné une clé. Maintenant, Jules va se faire gronder par le grand maître. Jules n'oubliera pas. Allez. Adol a obtenu l'épée brillante. Brillante, putain, j'étais toujours brillante, moi. Enfin. Il est enfin mort. D'ailleurs, j'ai pas raté un petit passage ici. Ah oui, pour le coup, bon, on peut choisir une nouvelle épée. Elle fait beaucoup plus mal, je pense, d'ailleurs. Ouais, pas tellement, mais... Ouais, si, elle fait quand même bien mal. Ouais, 170, elle fait très très mal, en effet. Il faudra améliorer pour avoir son overdrive et tout ça. Pas de passage ici? Non, faut tout redescendre, je pense. Ok. Je pensais qu'il y avait un passage ici, mais non. Bon. J'imagine qu'il faut tout redescendre. Bon bah, on va le faire en accéléré. Ça va être bien marrant. N'est-ce pas? Mais je me dis qu'enfin, on a fini le donjon ici. Alléluia, mes frères. Ah, ils sont gentils. En plus, ils nous remettent presque au début du donjon. Purée. Allez. Et je pense qu'on va se quitter au prochain point de sauvegarde d'ici, donc. Et donc, moi je vous dis... Ouais, franchement... Purée, c'était chiant comme épisode. Ouais, je viens de faire un souffle ici, désolé pour vos oreilles. Misère, misère. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé pour sa longueur, mais bon. C'était un petit peu nécessaire au vu de ce que le boss me foutait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao, bye bye tout le monde. C'était le Thémo et Pone. Et à la prochaine pour un nouvel épisode.